Bonjour à toi chers spectateurs, l'USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique réalisée par Aaron Schneider, c'est un film qui semblait très intéressant en même temps que très simple. Euh, je vous avoue qu'à la base le projet j'en avais un peu rien à péter et pendant le confinement il y avait peu de choses qui étaient annoncées en tant que long métrage qui devait sortir dans les salles. Et celui-là ressortait vraiment du lot. Bon déjà parce qu'il est porté par Tom Hanks, c'est que Tom Hanks est un acteur que je trouve immense, peut-être l'un des plus grands acteurs à l'heure actuelle au sein du cinéma américain parce qu'il cherche vraiment à faire des projets originaux et il ne tombe pas dans la masse de beaucoup d'acteurs qui ont tendance à faire des actionnaires aujourd'hui. Et en plus parce qu'il écrivait le scénar. Et après rapidement je me suis rendu compte que le film ne marcherait jamais en salle et quand j'ai vu qu'Apple TV proposait le film sur sa plateforme, je me suis dit peut-être que ça peut offrir une certaine visibilité au long métrage. Le résumé pour faire simple, en 1941, la guerre commence tout juste à gagner le continent américain avec l'attaque de Pearl Harbor. Des navires sont réquisitionnés pour faire la navette de ravitaillement jusqu'en Angleterre, dont le navire commandé par Ernie, l'USS Greyhound. Euh, c'est pas un film qui est très subtil, c'est pas un film qui est très fin dans sa manière d'être construit, c'est typiquement le genre de film de guerre et d'époque qui, je trouve, fonctionne parce qu'on a un très grand acteur en tête et que le concept fonctionne assez bien pour tenir le long métrage de bout en bout. Euh, il est clair et net que ça n'est pas un film qui brille par l'originalité de son scénario, par la qualité de sa mise en scène qui reste efficace, mais pas forcément grandiose. Euh, C'est un film qui se tient parce que les acteurs sont tous impressionnants, mais ça ne m'étonne pas vraiment, parce que la plupart des projets sur lesquels Boston Manx, ce sont des projets où les acteurs sont vraiment poussés dans des retranchements qui leur permettent d'avoir des prestations qui sont très impactantes sur le spectateur. Euh, en fait, le film se tient parce que, la base du long métrage est intéressante, cette idée de se retrouver sur le pont euh, d'un USS en pleine Seconde Guerre mondiale et de le voir essayer de battre des, des sous-marins. Et en fait, le truc est vraiment simple, voire limite cliché honnêtement sur le papier, mais la démarche et la manière avec laquelle le film nous embarque dans son délire, eh ben c'est ça qui fait que l'œuvre se tient. C'est que même si on arrive à voir les grosses ficelles de tout cet ensemble de bout en bout de métrage, on arrive à passer ce stade-là et à se dire ok. On sait que c'est pas très fin, on sait que ça ne veut pas creuser grand chose, mais disons que ça passe. Et à partir de ce moment-là, ben on se laisse entraîner, et je dois avouer que je me suis laissé assez bien entraîner par le film. La guerre est un lieu et un temps qui inspire énormément de metteurs en scène et de créateurs de cinéma, pour donner lieu à des fragments d'art inspirants, intenses, souvent très justes et forts, mais surtout qui font réfléchir le spectateur sur cette période où l'horreur qu'il a malheureusement pu s'en dégager face à la mort et le conflit a marqué beaucoup de monde. Aaron Schneider, qui revient à la mise en scène 14 ans après son dernier long métrage, nous offre ici une fresque qui se voudrait épique, intense, foisonnant de fragments palpitants et haletants, et en un sens nous avons le droit à cela durant une bonne partie du métrage. Mais également, nous devons faire face à une œuvre qui manque d'équilibre, de finesse et surtout de rythme. En termes d'écriture, euh, le scénario est donc signé par Tom Hanks et adapté du roman de C.S. Forster. Euh, alors déjà, il y a un point qu'il faut que j'éjecte tout de suite. Les personnages ont la puissance dramatique euh, d'une huître. C'est-à-dire que c'est assez déroutant, mais... La seule caractérisation qui va faire de Horny un personnage sur lequel on devrait s'attacher et s'agripper durant toute l'œuvre, c'est une vague petite scène, nous avant de partir en mer, il donne un cadeau à visiblement ce qui semble être sa copine, mais... N'arrive pas à savoir si c'est sa copine, sa fiancée, sa femme, enfin c'est extrêmement vague. Et c'est le seul point réel de caractérisation qu'on a du personnage. D'habitude, je trouve que c'est intéressant de ne pas trop en dire sur les persos et de le faire découvrir au fur et à mesure du film. Le fait est que là, c'est le seul moment où on découvre des choses sur Orny. Le reste du temps, c'est le schéma le plus simple du monde en termes de dramaturgie. Lapse de temps, baston. Lapse de temps, baston. Laps de temps baston, laps de temps baston et ainsi de suite. Sur les 56 heures, je crois, de, de temps dans lequel se passe le scénario. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas pour le scénar qu'on va saluer euh, Tom Hanks ici. Parce que clairement, je pense que Tom Hanks, il avait vraiment envie de faire le truc le plus simple du monde et qui s'est limite dit il faut que ça soit un film à concept. Et film à concept veut dire qu'on va pas écrire grand chose et qu'on va surtout baser sur le visuel. Ce qui fait que du coup, derrière, toute la mise en scène se repose sur Aaron Schneider. Parce que clairement, le scénar de Tom Hanks et pas loin d'être un peu ridicule en fait. Tom Hanks se cherche le plus possible à s'inscrire dans une certaine veine qu'a pu offrir au 7ème art il y a maintenant 4 ans un certain Christopher Nolan, en proposant un récit sur un court laps de temps, avec une montée en tension qui se voudrait extrêmement humaine, et réaliste dans son déroulé. Comme évoqué avant, cela marche parce que l'on ressent une envie de coller à la puissance de ce temps en cherchant à apporter une profondeur par le détail, qui marque forcément. Mais rapidement, cette recherche empêche la création de personnages attachants et surtout ne développe rien de plus que ce que le scénario pose déjà comme sa base, un survival en pleine mer au cœur de la guerre. En termes de mise en scène, donc Harold Schneider, comme je l'ai dit en introduction, ça faisait un petit paquet de temps qu'il n'avait pas réalisé de film. Euh, et ça se tient. Je ne dirais pas que c'est parfait. Mais en sachant que le film se base quasiment que sur son visuel pour réussir à nous immerger dans son histoire, je trouve qu'on est plutôt prêt à la gorge et qu'on se laisse embarquer dans ce récit. C'est pas toujours fait avec la plus grande élégance possible, et clairement il y a des moments où on trouve que ça abuse un petit peu de certains effets dramatiques et qu'on a tendance à se dire « Ouais, mais alors il euh, n'y a pas besoin d'en faire autant ». Mais en termes d'action pure, je trouve que le film réussit plutôt bien sa... Sa petite idée de base qui est de créer un long métrage où on va être en immersion dans une cabine euh, avec le commandant de bord et avec chacun de ses seconds ou de ses officiers et qu'on va vraiment devoir suivre chacune des grandes étapes face à ces sous-marins et, et ça fonctionne en fait. Et Aaron Schneider, ok, il a tendance à un peu abuser des incrustations et des effets spéciaux qui ne sont pas toujours parfaits d'ailleurs, mais. Il arrive à emmener son idée de base jusqu'en dans un retranchement où peut-être on va se dire qu'il en fait trop, mais au moins il essaye de se donner à fond parce qu'il sait que derrière le scénar peut pas tenir la route s'il est tout seul et qu'il pose ses personnages ainsi. Mais du coup, il y va à fond et il se dit vas-y. Je sais que ça peut pas faire deux heures de long métrage, mais on va en faire un trip de une heure et demie qui va se limiter à un actionneur sur un U.S.S. en 1941 en plein milieu de l'Atlantique. Schneider pose une scénographie qui se tient par le biais d'un visuel accrocheur où l'on a tendance à voir un peu trop facilement les fonds verts, mais où l'on ressent tout de même une intensité et une puissance dramatique qui tiennent à eux seuls assez bien l'ensemble d'un récit très sensoriel plutôt que dramatique. Au fond, cela peut laisser tout de même de marbre, tant on a la sensation que tout passe par l'image, mais que du coup l'image cherche à en faire trop, alors que le budget confine énormément les protagonistes au pont principal de ce bateau, ce qui pourra laisser perplexe quelques spectateurs, mais qui donne au fond une certaine puissance dramatique à cet ensemble entraînant et assez juste. En termes de casting, j'aurais voulu vous dire que Elisabeth Chou a une grande performance dans son métrage, mais. Se limite à une séquence de 5 minutes. J'ai beaucoup aimé par contre Stephen Graham, qui joue le rôle du second, qui est vraiment très très bon pour le coup, mais c'est un immense acteur et je trouve que depuis que je l'ai découvert dans Snatch, il mériterait d'avoir plus de gros rôles, c'est un petit peu dommage. Euh, Matt Helm ainsi que Greg Tate euh, sont plutôt pas mal sans être forcément extraordinaires. J'ai beaucoup aimé Rob Morgan, qui est un petit personnage, mais que... qui est rendu assez attachant. Peut-être un des seuls points que j'aurais eu envie de sauver d'ailleurs dans le scénar, c'est le personnage de Cleveland qui apporte un certain impact sur pas mal de séquences. Et après, il y a un acteur en tête d'affiche avec lequel j'ai énormément du mal d'être objectif. Parce que je le trouve toujours bon et parce que je trouve qu'il dégage beaucoup de charisme. Même en étant très simple, il dégage beaucoup de charisme. Tom Hanks délivre une sacrée prestation, l'acteur parvenant extrêmement bien à incarner ce personnage qui décroche son premier commandement et en plus que de réussir à construire une immersion en seulement quelques lignes de dialogue, ce qui est quand même très fort. Au bout du compte, l'ESS Greyhound est un film que je trouve pas toujours réussi, mais loin d'être loupé. C'est un film qui, si on se limite vraiment à un gros actionneur dans les années 40, en pleine guerre, euh, qui va dégommer des sous-marins, voilà, ça se tient. Si on cherche à voir un grand film sur la Seconde Guerre mondiale avec une grande réflexion sur les pertes humaines et sur l'impact de la guerre sur la psychologie de l'homme, non, clairement pas, on est très loin de Band of Brothers ou même de The Pacific. Euh, alors que Tom Hanks était quand même euh, l'un des co-créateurs de la série à chaque fois. Mais voilà, on est très loin de ça, mais dans son contexte de petit actionneur fort sympathique en pleine mer euh, sur un USS, l'USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique de Aaron Schneider, pourquoi pas Sachant que voilà, vous pouvez le mater sur Apple TV et, et que bah, pour ça, ça se tient. Si ça avait été en salle, j'aurais peut-être été un peu plus dur, mais je trouve que ça se tient. Donc pourquoi pas A plus